សូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គញ៉ាំប្រកាសបន្តកិច្ចសម្ដការនីតិវិធីសម្ដការស្ដាប់ថាខិកម្មសាក់សីប្រខនតរទៀតជាបន្តសូមបុគ្គលវិទ្យាជួនទៅលោកជាក្រុមសងម៉ាក់ដើម្បីបន្តសំណួរចំពោះសាក់សីសូមអញ្ជើញលោកជាក្រុមសងម៉ាក់ Donc, Monsieur Prak, j'étais en train de vous poser des questions concernant le contenu de la formation dispensée, enfin, donnée par l'accusé lui-même. Vous nous avez dit que ces formations allaient jusqu'à donner des indications quant à certaines formes de violence. Vous nous avez dit aussi que une des règles les plus importantes, c'était de faire en sorte que le prisonnier ne meure pas. C'est bien exact. Alors, quel type d'information vous donnait-on pour qu'un prisonnier ne meure pas? Qu'est-ce qu'on vous disait exactement? Il y avait des signes auxquels il fallait prêter attention et des moments auxquels vous saviez qu'il fallait s'arrêter? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ce qui vous disait, c'était simplement des conseils de prudence. Il ne donnait pas d'indication précise. Il ne disait pas si la personne s'évanouit, il faut arrêter, ou il faut faire venir un médecin, il faut faire venir quelqu'un du service médical. Il vous disait simplement d'être prudent, c'est ça? បាទអាការៈណែនាំគឺឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នណាប៉ុន្តែកន្លងមកមួយចំនួនដែលនៅជិតជិតខ្ញុំហ្នឹងវាយខ្លះវាយតាមកំហឹងកំហៃរបស់ខ្លួនទៅក៏មានការគ្រោះថ្នាក់សន្លប់អីចឹងទៅក៏ហៅពេទ្យហៅអីមួយមើលហ្នឹងមានបន្លែងខ្លះមានចឹងដែរ Alors, est-ce que ce sont des choses dont vous avez été personnellement témoin? Est-ce que vous avez assisté à des interrogatoires où l'usage de la violence était, il était fait recours à la violence? Est-ce que vous étiez là en personne? ថាតានៅពេលដែលគេប្រើអំពើហិង្សានោះលោកនៅទីនោះដែរឬទេបាទនៅជិតគ្នាដែរហ្នឹងគាត់នៅមើលគ្នាឃើញប៉ុន្តែរឿងការធ្វើទរណកម្មទៅលើអ្នកទោសខ្ញុំមិនបានចូលរួមទេព្រោះថានៅជិតគ្នាហ្នឹងខ្លះវាយទៅដោយកំហឹងកំហែងខ្លាំងទៅរឿងការសន្លប់អីចឹងមាននៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំថានោះ Alors, il me semble que dans vos dépositions, puisqu'il y en a plusieurs, vous avez, parmi les formes de torture, dit que vous pouvez utiliser l'électricité pour électrocuter les gens, on pouvait les fouetter, on pouvait les battre, on pouvait également utiliser des sacs pour les faire suffoquer. Vous avez également fait mention de ce que certains détenus pouvaient être obligés de manger leurs propres excréments. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est quelque chose que Duke
vous a enseigné? Ou est-ce que c'est quelque chose dont vous avez été personnellement le témoin? ว่าทฤษฎีนี้คือการเรียนสอดคือโดยบ้านเลือกล่างออยเพื่อจะยึดวิธีสร้างสร้างให้ออยเมียนคือท่าเพื่อออยเวียอาหมะนี่ผมยิ่งออยถ้าขมังออยขมังเวียอาหมะมกยังออยสีไอออยพักตึกโดมัยนั่งเชียร์ตุรนกรรมได้กอดบ้าน Mais vous nous dites que vous avez entendu Duc dans ces séances de formation dire que pour humilier un prisonnier, on pouvait lui faire manger ses propres excréments. C'est bien ce que vous venez de nous dire. Est-ce que vous avez vu Duc venir assister à certains interrogatoires? Je ne parle pas de l'interrogatoire de la femme dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Est-ce que dans d'autres circonstances, vous avez été amené à voir Duc venir dans des lieux où on interrogeait des détenus? Est-ce que lorsque vous procédiez à des interrogatoires, vous avez vu Duc? Alors, vous nous avez expliqué qu'il y avait trois groupes d'interrogateurs. Le groupe chaud, le groupe froid et le groupe de mastication. J'aimerais que vous me disiez clairement quelle est la différence entre ces trois groupes. มันมีกรมกระดาวกรมตะเจาะกรมเกียมคือการปิดดามลายราชนาสิบปอนด์นั้นมีเรียบจอมจังแมนคือกรมกระดาวคือสำหรับคือสัวกระดาวแต่กรมตะเจาะคือในพื้นอยู่ใบมันเพื่อโดนกรรมไอเดียแต่กรมเกียมก็คือสำหรับสัวอยู่วังไวมันแต่กรอยมากำลังนอกนั้นก็คือจับอ๋อริจเรื่องกุ้งคืออ๋อต้องก็ Donc, ce qui veut dire, si je comprends bien, peut-être que je me trompe, que des interrogateurs qui faisaient partie du groupe de mastication pouvaient, comme des interrogateurs du groupe chaud, utiliser
la violence pendant des interrogatoires. Est-ce que c'est exact? Alors, je vais donner lecture d'un certain nombre d'extraits de vos auditions antérieures. Vous les commenterez si vous le voulez. Tout d'abord, il y a un procès-verbal d'audition qui a été réalisé par le bureau des coprocureurs. Vous avez été entendu au mois d'octobre 2006. C'est le document D2-7-7. Et la cote IRN en français est 00-14-77-32 à 00-14-77-38 à la page 2 de ce document. Il est dit ceci. Le prisonnier était assis sur une chaise avec les chevilles attachées parce qu'il craignait, au pluriel, que les prisonniers ne s'enfuient ou se rebellent. C'était des méthodes qui nous avait été enseigné durant les cours d'interrogatoire. J'ai torturé les prisonniers en les frappant, en les électrocutant, en les fouettant avec des branches d'armes, en les tapant sur le dos, sur les jambes. Les tortures consistaient à électrocuter, frapper, suffoquer avec un sac en plastique et utiliser des pièges à animaux. À certains endroits, les prisonniers avaient les ongles arrachés et étaient forcés de manger des excréments. Un peu plus loin, à la page D2-7-3, vous dites ceci. Pendant que j'interrogeais un prisonnier, personne d'autre ne l'interrogeait. Sur les confessions de Ross Sam, alias Feap, j'ai écrit que j'ai torturé ce prisonnier afin qu'il confesse. Je reconnais être l'auteur de ce document ainsi que son authenticité. Lorsque vous avez participé au transport sur les lieux, ce qu'on appelle en anglais the reconstruction. Il y a eu un procès verbal qui a été établi par les co-juges d'instruction qui figure à la cote D48-2. Vous avez notamment avec d'autres personnes été mise devant un ensemble d'instruments qui peuvent être des instruments de torture. Alors, je vais lire ce paragraphe qui est à la page numéro 2RN 00-18-13-53. Donc il est dit, la personne mise en examen, donc là c'est pas vous, c'est l'accusé, explique que le choix des instruments de torture relevait des seuls interrogateurs. Le témoin Prak Khan reconnaît les instruments utilisés à S21, tout en précisant qu'il ne les a jamais utilisés personnellement. Il indique, entre guillemets, le couteau et la hache, c'était seulement pour faire peur. On pouvait pratiquer une torture minime
mais il ne fallait pas causer de dégâts. Si tu causais la mort, tu étais responsable. Et vous dites également ceci, pour les instruments d'exécution, je n'étais pas au courant, car je ne travaillais qu'en tant qu'interrogateur. Alors, est-ce que vous souhaitez apporter des commentaires par rapport à ce que je viens de lire? Ou est-ce que vous souhaitez exercer votre droit au silence? C'est-à-dire, vous les, ils sont un peu contradictoires. Hein? Vous ne voulez pas les commenter ou vous estimez qu'ils reflètent la vérité, mais quelle vérité? Est-ce que vous souhaitez les commenter ou pas du tout? Bien. Alors, vous avez également au cours de ce transport sur les lieux était invité à fournir des commentaires sur un tableau qui existe au musée de Tuolsling. Donc ce tableau, nous en avons une photo dans le dossier. Il est à la cote D48/2, annexe 1. Et le numéro 2RN est le suivant, 00-18-14-48, pour la version en Khmer, 00-19-80-81, pour la version anglaise. Alors, je pense qu'il serait intéressant de pouvoir avoir ce document affiché à l'écran. Voilà, je ne sais pas si c'est possible d'agrandir un petit peu. Je crois que le titre est S21, règlement intérieur. Est-ce qu'il est possible d'agrandir l'image? Voilà. Donc, est-ce que vous reconnaissez ce tableau? Alors, est-ce qu'il serait possible à Monsieur le Président de demander à un des greffiers de lire ces différentes règles? Parce que l'état de cause, je n'ai pas trouvé de version en français de ce document. លោកស្រីសែកុលវិធីអាននៅវិន័យរដ្ឋបាលដែលនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍នេះចំពោះមុខនេះ
vị nay son tệ bà mùi xu ấy chlai nắng mân bằng vang sầm núa rô bỏ ảnh pi mân ai đọc sài dọc lè ni lè nú tam cầm nật ai rư bỏ cái cậu họ mân ban đạch hạt bầy mân ai thơ là ngúng mân dôl bằng chía pru ai chia mân úc hiên bỏ chàng buồn xua phliêm chlai phliêm mình ai đầm ọ mùi niên tì lời Pram rương khoa khát cậu họ bần tạch bần tuối khôi chia sơ thó khôi ni khôi nút công mình ai nị dây rương khlâm xa bạc đề vót co mình ai nị dây Pram mùi vay chọc xài phương mình ai xài xài đạch khát Pram pi mình ai thơ ai tiếng ọ cư ông côi xin nghiêm rong chăm bằng chi ánh ọt bằng chia cùng thơ anh bằng chia thơ ấy thơ nâng phliềm bỏ cái trầm trầm mận bàn Pram bầy cùng dốc lê Campuchia kram bằng một mọt bọt bạc đi vọt rồi bỏ à anh ao sọ Pram buồn cục bằng chia tiếng khang lớ mận thơ tám cứ mùi thang ngay rong rung bọt xài phương chọc rộp mận chân nè tê bỏ trang vị này anh mùi chồng nói trâu rong rung bọt đọc rung bọt rư chọc xài phương Pram chạy Donc lors de la transport sur les lieux, les co-juges d'instruction ont mentionné ceci, c'est le paragraphe 11.1, le témoin Prakan indique que ces règles d'interrogatoire apparaissaient dans toutes les salles, soit sur le mur, soit sur un tableau noir. Alors, est-ce que vous confirmez que ce sont ces règles ou des règles qui étaient similaires? Est-ce que ce sont exactement celles-là ou est-ce que ce sont d'autres règles? Et est-ce qu'elles apparaissaient dans toutes les salles? Voilà, donc vous avez ajouté ceci. Ces règles étaient enseignées pendant la formation dispensée par Duc dans une maison à côté de chez lui. Au moment de l'interrogatoire, on montrait ce règlement au prisonnier et on lui demandait de le respecter et on l'appliquait. Voilà. Alors, je précise que au cours de ce même transport sur les lieux, l'accusé lui-même a contesté cette affirmation. Mais je pense qu'il aura l'occasion de s'en expliquer lui-même, à moins que vous souhaitiez que je lise. Alors je vais lire le paragraphe 11.2. La personne mise en examen conteste cette affirmation et déclare que si ces règles avaient été enseignées au cadre de S21, leur contenu apparaîtrait dans les notes manuscrites de Mamnai, de Thuy et de Pone, ce n'est pas le cas. Et il indique que ces règles ne se retrouvent pas non plus sur un document en anglais intitulé Manuel de Torture. Voilà, mais je pense que d'autres explications sont données par la suite. Voilà, et, Duc rappelle que le contenu de l'enseignement qu'il a dispensé résulte des instructions manuscrites qu'il avait reçues de Son Sen. Il en avait fait une version dactylographiée, dont il avait fait passer une copie aux interrogateurs. Or, selon Duc, les règles en question n'apparaissent pas dans ce document. Prakan maintient ses déclarations, précisant qu'il n'a pas de preuve écrite de l'existence de ces règles, mais qu'il les a mémorisées.
Vous avez indiqué que vous effectuiez les interrogatoires en étant entièrement seul. Pour autant, vous avez aussi indiqué que lorsque il y avait des confessions qui étaient faites par écrit, sur certaines confessions, c'était votre écriture, mais il y avait parfois aussi l'écriture de quelqu'un d'autre, d'autres écritures. Alors, selon vous, qui d'autre pouvait écrire? Est-ce que vous étiez véritablement tout seul pour mener les interrogatoires ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes avec vous? Donc, je viens d'entendre que vous nous disiez que vous étiez le seul à connaître l'intégralité des aveux. Mais est-ce qu'il pouvait y avoir avec vous quelqu'un qui était là pour vous assister, pour taper à la machine ou pour vous aider? Je reviens un tout petit peu en arrière. L'information que vous receviez avec Doc, c'était sur quelle base? C'était régulier? C'était tous les mois? Toutes les semaines? Aujourd'hui, vous avez eu l'occasion de voir l'accusé dans la salle d'audience. Est-ce que vous l'avez reconnu? Est-ce que l'accusé peut se lever? Bien. Je n'ai pas eu la traduction.
sais pas ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? Vous avez également dans vos auditions parlé des interrogatoires des femmes. Je voudrais tout d'abord savoir, est-ce que vous avez été au courant d'incidents, et notamment est-ce que vous avez été au courant de faits de viol commis sur des femmes? Et vous étiez au courant de quoi exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? ចៅក្រុមលវែងតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែលលោកបានដឹងនោះសភាពការហ្នឹងកើតហេតុនៅខាងក្រោយផ្ទះខ្ញុំដែលធ្វើការហ្នឹងគឺឈ្មោះទូចដែលជាអ្នកនៅចំណិតមួយតាចាន់ផ្ទះនៅចិត្តលូទឹកស្អុយហ្នឹងគឺនៅផ្ទាល់គូផ្ទះនៅផ្ទាល់គូគ្នា ຈັ່ງສະພາບການນັ້ນກາດຫຼັງໂດຍຊມຕູຈນັ້ນບານສູນະຣີບະນະນៅປີກ້າວເຕຍຂ້ອຍເປນັ້ນຕູຈນັ້ນບານຈັບນະຣີໄດ້ຍົກມາສູນັ້ນລົມລົບຫນອງບຕົບກ້ອຍມາກໍມີແນັກດາໂຕເຄີຍໃຫ້ປາດຕາຈັນຈັນກໍຈັບຕູຈນັ້ນຍົກຕະດັກຈະວະເລືອບເຕຍເພດັກຈະວະເລືອບເຕຍກໍນະດັກຈອມນັ້ນອະນອງໃຫ້ຕູຈນັ້ນກໍລູດຕໍາລະປີເລືອບເຕຍ Cette prisonnière a été violée avec un bâton. Donc, vous ne connaissez pas les circonstances exactes du viol. Est-ce que vous avez d'autres informations? Alors, vous avez également expliqué qu'il y avait eu des interrogatrices qui avaient en charge d'interroger les détenues femmes. Vous avez aussi dit qu'à un moment, ces interrogatrices ont elles-mêmes été arrêtées. Et donc, il n'y a plus eu d'interrogatrices. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit à ce sujet? Est-ce que vous-même, vous avez été amené à interroger des détenues femmes? បាទបានសួរម្ដង
quand est-ce que c'était? C'était plutôt au début de vos fonctions d'interrogateur ou plutôt vers la fin? C'était un moment où il y avait des interrogatrices ou un moment où il n'y avait plus d'interrogatrices? Ou est-ce que c'était avant qu'il y ait des interrogatrices? អ្នកសួរចម្លើយស្រីនៅសួរនៅឡើយឬក៏នៅពេលដែលអស់អ្នកសួរចម្លើយជាស្រីហើយដែលលោកបានសួរអ្នកទោសស្រីនឹងពេលសួរអ្នកទោសស្រីហ្នឹងគឺរយៈពេលដែលចុងក្រោយមកហើយទេដែលអស់មានស្រីស្រីនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកសួរទៀតហើយអញ្ចឹងការងារហ្នឹងត្រូវធ្លាក់មកលើខាងផ្នែកយុវជនយកទៅសួរ Vous l'avez interrogé seul? Chakram Laveng, ta lu ban su chum lai ne tu nu ta ben ne anh. Rư ko su ne tu srei nu ta ben ne anh rư. Ba pe nu khnyom su ta ben ne anh dai pan tae rup phiep su nung ve khok ne trang tha thvie trau baok oi os. Ve men ban man baok oi os hai khnyom angkuy nou pi krau. Thuya, nẹ tố đạo bị khả nông thuya. Chẳng bàn đây thà, đạo tố sẽ nọc oi kì đạo mò khơi cầm oi miên người thà. Này, hàng sau thọ ấy kì mơ mần khơi chẳng oi kì mơ khơi. Tu étais dans quel bâtiment? Chào Kram Laveng. Chẳng... Thật ta xuống nước nâu khăn ở kia là mỗi đài. Mà cả xuống nước mưa lâu nước đâu rút phiếp bằng khơi nhưng cao vì muốn người nâu khẳng cao. Mà nâu khăn ở kia cứ nâu tam phía tiết là về khẳng cao ở kia. Vous avez également parlé au cours de vos dépositions de d'enfants qui avaient été tués en étant jetés du dernier étage des bâtiments. Alors, je voudrais que vous nous rappeliez si vous avez bien été le témoin direct de tels faits. Ban khơi si ces faits concernent un seul cas ou si ces faits concernent plusieurs enfants, puisque aujourd'hui vous avez fait état d'un cas, dans certaines dépositions vous faites également état d'un cas, mais dans d'autres déclarations vous parlez d'enfants au pluriel. Et vous dites, j'ai vu des enfants être jetés par terre de très haut. Par exemple, c'est la côte D7/4. Alors, ça concerne un enfant ou ça concerne plusieurs enfants? ខ្ញុំណុចនេះលោកចង់និយាយថាមានកុមារតែមួយឬក៏មានកុមារច្រើនដែលជាអ្នករងគ្រោះនោះបាទចំណុចនេះខ្ញុំចង់និយាយតែរឿងដែលខ្ញុំឃើញផ្ទាល់ហើយបានយកទៅកប់ផ្ទាល់ព្រោះការងារផ្សេងទៀតជារឿងគ្រាន់តែដឹងអាហ្នឹងខ្ញុំមិនបាននិយាយប៉ុន្តែជាទូទៅគឺម្ដាយឪពុកជាប់នៅក្នុងហ្នឹងកូនក្មេងគឺច្រើនតែយកទៅ Alors, je ne sais plus si c'était ce matin ou dans une nouvelle déposition, mais vous aviez indiqué que selon vous, c'était l'enfant d'une prisonnière vietnamienne. Est-ce que c'est exact ou... Est-ce que c'est exact ou...
Vous avez un souvenir particulier? C'est la maman vietnamienne ou pas? Vietnam. Alors, pour revenir un petit peu en arrière par rapport à ce que vous nous avez dit quant à la présence de Duc aux interrogatoires, je rappellerai que dans votre audition qui figure à la côte dès 19 ou 49, je ne sais pas très bien, baroblique 7, à la page ERN 00-16-46-23, on vous parle, pose des questions sur les lieux d'interrogatoire et on vous demande ceci: est-ce que Duc y entrait aussi pendant l'interrogatoire? Et à l'époque, vous avez répondu ceci: des fois Duc entrait dans la salle pendant l'interrogatoire, par exemple quand j'étais en train d'interroger un type, Duc était venu interroger avec nous. Nouvelle question: l'avez-vous vu interroger par lui-même le prisonnier quand vous-même l'interrogiez, ou est-ce qu'il faisait cet interrogatoire avec les autres interrogateurs? Réponse: ce n'était pas régulier. Des fois, quand j'étais en train d'interroger quelqu'un, il entrait et interrogeait pendant une demi-heure. Et il était reparti. La plupart du temps, il était venu avec titre. Alors, est-ce que ce que je viens de lire vous rappelle des souvenirs, ou est-ce que vous maintenez que vous n'avez pas vu Duc venir pendant que vous interrogiez? Vous souvenez de Him Hui? Quelles étaient les fonctions de Him Hui? Est-ce que dans votre souvenir, Him Hui a été présent à S21 jusqu'au dernier jour de S21? Je vous remercie beaucoup, monsieur, pour ce témoignage. Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin, monsieur le président.
ពីថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺថាប្រញ្ញាបានមានបំណងនៃការសំណើសុំនៃការធ្វើត្រៀមនៅក្នុងការតាំងសំណួរផ្សេងៗដល់ស័ក្តិសីតើបញ្ហានេះនៅមានទៀតតែឬទេឬក៏អ្វីៗត្រូវតាមត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅតាមផែនការដែលបានគ្រោងការវិភាគនៃដំណើរការសំណើការបានគ្រោងទុករួចហើយខាងថាប្រញ្ញា No, Your Honour, we have no observations to make. But young Kyom will mean secretary and Kate saying it done by two lano days of Mokun. Well, Leniku, Pavilion, Mokbun, Chetamiti, Hai, Hai, Hankar, Chamkai, Young to Samaka, Lord of Mokbun of Ramiti, Young Pavilion, Soft, Sessor, Tituna, Young on Yumre, Samaraka, Samaka, Samarap Haini, Tremni, Hai, Samaka, and Thor. សម្រាប់ស្ដាប់សកម្មកម្មសាក់សីរូបនេះនឹងធ្វើនៅថ្ងៃបន្តនៅថ្ងៃស្អែកចាប់វេលាម៉ោង9ព្រឹកទៅលោកប្រខនសូមអរគុណដែលលោកសំប្រែងនឹងការអញ្ជើញចូលរួមប៉ុន្តែដោយសារការស្ដាប់សកម្មកម្មរបស់លោកក្នុងនាមជាសាក់សីនៃចំពោះមុខអង្គជំរះសាលាដំបងនៃអង្គជំរះវិទ្យាមិញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ចំពោះលោកគឺមិនទាន់ចប់ទៅគ្រប់នៅឡើយទេដោយសារនៅមានការអនុវត្តនៅសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការសាក់សួរចំពោះរូបលោកពីភាគីនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីទៀតដូច្នេះគឺអង្គជំរះអញ្ជើញលោកមកចូលរួមនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដើម្បីដំណើរការនីតិវិធីបន្តក្នុងការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់លោក មន្ត្រីតុលាការសូមគោរពជំរួលប្រខនដើម្បីឲ្យជាមួយនឹងអង្គភាពគំពីសាធិនឹងអ្នកជំនាញដើម្បីឲ្យគាត់បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងជប់សម្រាប់របស់គាត់នឹងឲ្យគោរពជំរួលឲ្យបានគាត់ត្រឡប់មកកាន់សមាការនៅថ្ងៃស្អែកបានមុនមកប្រមូលព្រឹកអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងនាំជំរិតចោតទៅកាន់មន្ត្រីគុំខាំងវិញហើយឲ្យនាំគាត់ត្រឡប់មកកាន់សាធារណការនៅថ្ងៃស្អែកបានមុនមកប្រមូលព្រឹក